Les singes ne sont plus de la forêt. Mais s'ils ne sont plus de la forêt, ils vont se faire manger. C'est sûr. Bonjour maman. Maman, c'est leader. Mon ami que je t'ai parlé. Mais moi, je vois pas un ami. Moi, je vois un petit voyou. Oui, je vois un petit délinquant. Maman. Bien sûr. Et tu oses me dire maman. Anita, je t'ai fait quoi? Dis-moi, je t'ai fait quoi? Anita, dis-moi. Attends, tu me ramènes un bon à rien. Un petit vaurien. Un petit clochard et tu me demandes, tu oses me dire maman. Ah! Regardez-le, regardez-le. Oh! Mon Dieu! Maman? Oui? Qu'est-ce qui se passe? Salut! Demande à ta soeur, regarde. Regardez-le. Qu'est-ce qui se passe? Regardez-le. Elle m'envoie un petit voyou. Mais ça, c'est un clochard que je veux. Elle me ramène à la maison un petit voyou. Un petit clochard. Regarde son accoutrement. Regarde sa barbe. Regarde même son coiffe. Comme est dingue. Tu vois ça. Regarde sa tête. Maman, c'est bien. Aïe! On t'a fait quoi, maman? Tu me ramènes? C'est pas ton problème. C'est pas du tout ton problème. Si c'est pas mon problème. Maman, faut lui dire. C'est pas ton problème. Mon problème. Tu es ma petite soeur. Vous de la même taiseur. Maman, faut lui dire. Même si ton père ne veut plus, tu ne vas pas me ramener un petit sale de la sorte. Regarde comment il est habillé. Hein? Un petit délinquant. Je t'ai toujours dit que de m'envoyer des bonnes personnes à la maison. Mm-hmm. Regarde-moi. Regarde comment il est habillé. Mais regarde. Maman, il est bien habillé. Regarde comment il est habillé. Il est bien habillé. Il est bien habillé. Regarde un petit clochard. Regarde ses chaussures. Le clochard de marché de fond de Tietje. Hein? Et tu me ramènes ce genre d'homme, ma fille. Tu veux me tuer. Tu veux ma mort, Anita. Non, maman, ne dis pas ça. Mais elle veut ma mort. Anita. Les condoléances à toute la famille. Anita, tu veux ma mort. Anita, veux ma mort. Ne pleure pas, maman, s'il te plaît. Mais après la mort de votre père, je me suis toujours bien occupée de vous. Maman, faut m'écouter, non? Maman, c'est pas ce que tu crois, maman. C'est pas ce que tu crois, maman. Quoi? C'est pas n'importe qui. Quoi, maman? C'est pas n'importe qui, maman. C'est l'enfant d'un ministre. Hein? Quoi? Maman. Attends. Hein? C'est l'enfant d'un ministre, maman. Hein? Mon fils, assois-toi. Lève-toi, ma fille. Lève-toi. Mon fils, viens t'asseoir. Mon fils, viens t'asseoir, mon fils. Ayez vos apaisements. Mon fils, ça va? Oh, toi, pauvre. Tu restes tranquille. Tu as quel problème? Hein? Oh, le beau. Mon fils. Toi, tu les laisses. Depuis que tu es là, tu as fait envoyer un homme comme ça ici. Donc, mon fils, tu retournes quand aux États-Unis? Tu vas quand? Maman, faut le laisser. Avec tout ce qu'il a entendu là. Réponds-moi. De même. Toi, avant, il faut l'envoyer de l'eau, tu vas chaud. L'eau? Bon, bon, je te ramène de l'eau. Envoie de l'eau. Bon, prends de l'eau, prends l'eau. Bois l'eau, apaise-toi, ok? Tu es mon fils, oh, demande-moi. Bon, bon, bon. Toi, va t'asseoir là-bas. Hi. Toi, depuis quand tu nous as envoyé un homme comme ça, un fils de ministre? Mon fils, en ce moment, il faudra revoir notre cas aussi, mon fils. Mon bien-aimé. Toi et elle, ça fait un. Mm-hmm. Je te donne ma fille. Mm-hmm. Est-ce que tu m'attends? Mais il faudrait voir si notre cas. Regarde la maison. Tu vois la maison? Maman, il va revenir. On a besoin de votre lapin. En ce moment, il fait très chaud. Mm-hmm. Tu vois? On n'a pas de frigo, il n'y a rien. Mm-hmm. Tu vois? Maman, donc, il va revenir. Ne veut dire que jamais. Maman, faut lui dire. Fils, toi, tu te testes. Je parle avec mon fils, chéri. Mon fils. Est-ce que tu m'attends? Donc, je peux avoir ça ce soir. Ah, ma fille Anita, ma fille chérie. Vraiment. Mon Antuka. Vraiment, la mère de la famille. Tu m'as entendu, tu as compris? D'accord, maman. Okay. Tout ce que tu as dit là, ce soir, je vais faire 20 minutes, tout ça. Okay. T'inquiète pour ça. Ouais, vraiment, merci beaucoup. Merci. Eh, le beau, le beau. Merci. Ok. C'est bien ça. Je vais l'accompagner. Ok, il n'y a pas de problème. Bonjour. Bonjour.
Il est belle, mère. C'est toujours comme ça, vraiment. J'ai laissé mes lunettes là-bas avec un chapeau. Waouh! Putain de merde. C'est quoi ça? Ça, c'est quel genre de famille, même? Ouf!